Emmanuel Macron s'avance, décontracté, qui immédiatement lui assène une gifle. Bonjour à Saint-Denis, à Val-Macronie. Saint-Denis, à Val-Macronie. Voilà, c'est un baiser, gros. C'est un baiser, mec. Tête de ma mère, c'est un baiser. Théma, là, la vitesse, déjà, gros. Gros, Théma, il est déjà en bas, tu le vois plus. JD here. And this is a video that I should have made a long time ago. Mais c'est de la merde! Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport et aujourd'hui on est à bord de cette Toyota dont je ne me rappelle plus le nom, Tsukuba comme vous voulez, pour les FIA pour les nations. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait une petite FIA, que ce soit Manufacturer ou que ce soit Nation. Aujourd'hui j'avais un tout petit peu de temps, je me suis dit allez, je vais me lancer dans cette FIA qui sur le papier paraît complètement ridicule. Et comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, effectivement cette course est une vaste blague, comme la majorité des courses FIA en Nation que j'ai faites ces derniers temps. Je pense à Blue Moon par exemple, où c'était une petite catastrophe. Et ici, alors sur le papier, on sait déjà que bon, Tsukuba, avec des petites voitures comme ça, un mini gros tourismo, j'appelle ça une mini course, hein, avec des petites voitures sur un petit circuit, c'est ultra fun. Je dois dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette voiture. Néanmoins, c'était très compliqué au niveau du fair play, même pour moi, c'était très difficile, voilà, de ne pas aller au contact. Parce que ça ferme la porte, ça ne laisse pas la porte ouverte, c'est... Ouais, ça se touche, ça ne peut pas se faire doubler, ça se sort très facilement de la piste, et c'est difficile. On est en qualification, parce que je voulais profiter pour une fois vous mettre la séance de qualification. 1.03.4, j'ai fait deux tentatives, la première course est extrêmement mal passée, du coup je ne vous l'ai pas présentée, puisque je me suis tout simplement fait sortir au virage 3. J'avais fait un 1.03.3. Et là j'ai fait un 1.03.4. Voilà, je vais essayer d'améliorer encore dans ce dernier tour. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est plus ou moins mes chronos. J'arrive à faire un 0.3, un 0.3.1. J'arrive à le faire, je l'ai fait en essai. Mais bon, voilà, je suis quand même satisfait de ce résultat. 10ème position dans le split 2, ce qui est pas mal du tout. Et de toute façon, c'est pas une, enfin voilà, c'est pas une FIA où tu comptes. Enfin, c'est soit tu as un gros hold-up comme il y avait eu à Blue Moon, soit tu te fais pulvériser. La première course, je me suis fait pulvériser complètement. J'ai perdu beaucoup de RP. Bon, moi, entre guillemets, je m'en fiche puisque j'ai pas mal de marge à ce niveau-là. Par contre, voilà, pour un joueur A, joueur B qui tente de monter au niveau au-dessus, j'espère que vous n'avez pas trop fait cette course, parce que je pense que pour la majorité d'entre nous, ça a été extrêmement négatif. Mis à part ceux qui ont réussi leur hold-up, c'était extrêmement négatif. Départ arrêté. Ici à Tsukuba, on va lancer cette course avec une première grosse erreur de ma part, c'est que je vais tout simplement partir en deuxième vitesse. Alors je ne sais pas pourquoi le deuxième rapport s'est enclenché. Je vais prendre beaucoup de temps à réaliser que je suis en deuxième. Je vais perdre un nombre de places monstrueux au départ, c'est une catastrophe monumentale. Je perds 5-6 positions. Vous allez voir qu'au final c'est pas grave, parce que l'objectif de cette course était de, voilà, avoir une vidéo pimentée à vous proposer. Si ce n'était pas YouTube, ne vous inquiétez pas que j'aurais jamais mis mes pieds à Tsukuba. Et par contre, eh bien, on va pouvoir constater la chose. Ici j'ai voulu éviter un maximum le pilote, enfin le pilote de la voiture verte. J'ai touché un tout petit peu, au final j'ai réussi à prendre une position par miracle. J'ai touché un tout petit peu, mais le pilote russe, voilà, va directement me sortir complètement de la piste. Je vais faire mon possible pour revenir sans gêner au maximum. Je touche malheureusement avec le pilote autrichien, voilà, il n'y avait rien à faire malheureusement. J'ai essayé de ralentir, j'ai essayé de vraiment garder ma trajectoire sur la gauche. Il fallait bien que je revienne sur la piste à un moment donné.
C'est dommage, parce qu'au final, l'Autrichien, la petite touchette avec l'Autrichien fait qu'il a percuté un autre pilote. Mais bon, au final, merci au pilote russe de nous avoir sorti de la piste et nous avoir fait commettre, cette erreur, avoir tendu un petit peu le gazon. De Tsuku, fin du premier tour dans cette vidéo avec, un tour extrêmement mouvementé, à l'image, de ce que va être, ce qu'a été cette nation tout le long. Je pense que la majorité d'entre vous pourront se retrouver dans cette vidéo. On se retrouve toujours en 18e position. Là, il faut essayer d'amasser les positions. Il faut essayer de revenir, de prendre des positions. Franchement, un combo qui est très fun, je dois le dire. Ce qui manque, ce qui pêche, c'est le comportement des pilotes. Avec ce pilote russe ici qui va nous sortir un petit peu à l'extérieur, on va tenter de décroiser, mais ça va pas être possible face à ce pilote russe. Après, le problème, c'est que petite voiture, petite puissance, petit circuit. Eh bien, on doit aller au contact. On doit aller au contact pour essayer de dépasser. Ici, on va essayer de se présenter à l'intérieur du pilote russe. On n'y arrive pas. Il a l'aspiration sur le pilote autrichien devant. Avec 3 barres de connexion. Arrivée du dernier virage, très délicat, ce dernier virage. Honnêtement, c'est un combo. Moi, je vous dis sincèrement, si c'est avec des pilotes de confiance, je pense que c'est un combo qui est extrêmement intéressant. Après, le problème, c'est que avec cette voiture-là, on n'a pas forcément d'opportunité de dépassement. C'est de la file indienne tout le long. Ça commence à s'exciter, à vouloir absolument doubler. On va se présenter ici à l'intérieur. Il était un petit peu large, le pilote russe. Vous voyez, on part quand même un petit peu au contact. Néanmoins, je laisse la place à l'extérieur. Il fallait essayer de s'introduire. On va freiner un petit peu plus tôt. On va décroiser sur le pilote russe. Ça va passer, bien sûr, de nouveau au contact. Hein, parce que bon, il pilote aussi comme si j'étais pas là. Il ne me laisse pas forcément la place. Et on finit par passer. C'est pas extrêmement propre, ça me dérange un peu ce genre de dépassement, d'aller au contact, etc. Le problème, c'est que c'est sur ce circuit, tu n'as pas le choix. Peu importe ce que tu fais, même si tu veux absolument éviter le contact. Après, ça dépend contre qui tu joues, bien sûr, mais t'es un peu obligé. C'est pas terrible, je dois l'avouer, mais bon, ça montre un peu ce qu'est cette daily. Même moi qui essaye d'être fair play, ne serait-ce que pour mon image, il y a toujours du contact. Après, vous me direz bien sûr en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors que le pilote français Zbin Erashkit, malheureusement, vous me donnerez bien sûr vos retours en commentaire par rapport à tous ces dépassements et à tous ces petits contacts. J'attends avec impatience vos retours. Troisième rapport, quatrième rapport ici. Face au pilote autrichien, on va s'introduire ici à l'intérieur, on va essayer de profiter. Léger petit contact, il sort un petit peu large le pilote autrichien, on va retoucher. La seule chose qu'il veut, c'est me sortir de la piste. Mais bon, le contact était tellement léger, ça l'a à peine touché. Je pense que c'est même pas à cause de ça qu'il s'est sorti un petit peu large de la piste. Et de toute façon, il était en perdition totale dans le virage, donc on profite et on passe. 15e position. On se retrouve à la merci du pilote britannique avec qui j'avais eu un sacré petit moment durant la course précédente. On va essayer d'être le plus proche possible pour tenter un petit dépassement. Toujours le petit contact sur ce circuit. On ne peut pas l'éviter, c'est trop petit. Il n'y a pas assez de place. Du coup, on se doit d'être agressif. Fin du 5e tour, tiers de la course terminé. Vous voyez les petits trages, les trajectoires différentes à l'approche du virage 1. Bon, ça c'était plutôt une trajectoire assassine de la part du pilote britannique. Néanmoins, il y a quand même une science. Il y a quand même une science sur ce circuit avec cette voiture. Et c'est ça que j'aime bien sur le Gran Turismo aussi parfois. C'est que peu importe la voiture qu'on pilote, on a toujours plus ou moins une science. Une science derrière le pilotage, derrière la voiture, derrière le circuit, derrière le combo. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Toujours 15e position, un petit peu loin, mais on va essayer de revenir. On a le rythme pour revenir sur ces pilotes. On va essayer de le faire le plus possible. Là, l'objectif, la target, c'est de retourner sur la P11, c'est de reprendre notre place initiale. Et pour ça, il va falloir charbonner. Ça va vraiment être difficile, mais j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Je garde espoir aussi au niveau de mon pilotage, au niveau de mon rythme en course. Il faut toujours garder l'espoir. Si tu perds l'espoir, c'est là que tu rush kit. Et moi, j'avais cet espoir de pouvoir revenir, de pouvoir faire une course épique. Pour vous, c'était la dernière de la soirée, pardon. C'était la session de 23h20. Je revenais du taf, il me semble, à 21h par là. Et du coup, je me suis dit, bon, il me reste un combo à faire, deux combos même. J'ai fait celui de 22h, ça s'est très mal passé. Du coup, j'ai dit, bon, je fais celui de 23h20, on va voir ce que ça donne. Et vous l'avez devant les yeux, donc c'est pour dire, je pense, enfin, je ne spoil rien, hein, mais que ça s'est plutôt
bien passé et qu'au final il y avait beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. 14e position juste devant nous, on est très vite revenu, hein. Très vite revenu sur le pilote britannique. On va essayer le plus vite possible de s'introduire à l'intérieur. Le frein ici, une trajectoire un peu différente de la part du britannique, vraiment avec un plongeon à l'intérieur comme j'ai tendance à faire. Avec cette voiture c'est un peu difficile de faire ça parce qu'après en sortie, si on est trop à l'intérieur, on a tendance à voilà, faire patiner les roues arrière et ça c'est à éviter absolument avec cette voiture parce que le moins de puissance, enfin si tu as pas beaucoup de puissance déjà, si tu t'amuses en plus à faire patiner les roues arrière, alors là tu vas perdre un temps monstrueux. 3 dixièmes de retard sur le pilote britannique qui va retenter ici à l'intérieur, qui n'y arrive pas, on perd un temps fou. Regardez ici, on est collé face au pilote britannique. Et il est là le problème, c'est qu'il faut que je dépasse, il faut que je sois ultra agressif, mais il faut que j'essaie d'être un minimum fair play quand même. Et c'est pas facile. Le pilote belge ici qui est un petit peu large, mais le malheureux, le britannique essaie de s'introduire à l'intérieur, c'est raté. On va voir si nous on peut profiter de tout ça. On ressort très très bien ici face au pilote britannique. On va essayer voilà, de peut-être se présenter à l'intérieur. Est-ce qu'il va couper la trajectoire? Il coupe la trajectoire, on se met à l'exté. On va tenter de décroiser ici. Est-ce que ça va se faire? Non, malheureusement ça va pas se faire. Un petit voilà, dérapage ici en sortie de virage. Je vous ai dit, il y a vraiment une science avec ces petites voitures. Quatrième rapport. On approche du dernier virage si important. Est-ce qu'on met la cinquième? Non, on reste en quatrième tout le long. Ici, virage très très difficile. Il faut essayer de plonger à l'intérieur à la fin du virage pour bien réaccélérer. On est un petit peu large ici malheureusement. Est-ce qu'on va pouvoir rester sur la piste? Oui, on reste sur la piste. Ici à l'approche du terrain, ça tente pour le pilote britannique qui encore une fois n'y arrive pas. On a reconnu, regardez le temps qu'on gagne dans le premier virage. Attention devant le pilote belge qui a un petit peu en difficulté aussi. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce que le pilote britannique va essayer ici à l'intérieur? Non, il reste sagement derrière, on perd du temps là. J'ai vraiment pas envie de perdre tout ce temps derrière ces deux pilotes. De nouveau à deux de front ici à l'approche du premier, enfin du deuxième droite du circuit. De nouveau on est très très proche, meilleure réaccélération ici à l'approche de l'épingle. Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? C'est très très chaud au final, on est très proches les uns des autres. Je tente ici de m'introduire à l'intérieur, ça ne passe pas. Mini touchette, encore une mini touchette avec le pilote britannique. Troisième rapport. Quatrième rapport. On arrive dans le dernier virage. Qu'est-ce que ça va donner? C'est ici à chaque fois dans le dernier virage qu'on peut relancer les dés à chaque fois pour tenter éventuellement un dépassement au virage 1. Le pilote belge qui est un petit peu large, le malheureux. Nous aussi, on va réussir à bien prendre la sortie de virage avec ce vibreur. Attention ici à l'approche du T1. Ça retente pour le pilote britannique. C'est raté de nouveau, toujours un tout petit peu trop loin. Le pilote belge qui se sort un peu de la piste. Troisième rapport pour nous. Quatrième rapport. Attention. On va se rapprocher grandement de ces deux pilotes. On tente l'intérieur. Il tape encore une fois en bloquant l'intérieur. On se met ici sur la gauche. On va pourquoi pas tenter ici à l'intérieur. Après dans le virage suivant. Mais c'est raté puisqu'il protège. On va tenter de décroiser ici face au pilote britannique. Attention ici à l'approche de l'épingle. On peut tenter quelque chose à l'épingle. On se propose à l'épingle. Deuxième rapport. Il bloque encore de nouveau. L'intérieur, le malheureux, se met à l'extérieur pour protéger ensuite l'intérieur. Vraiment une trajectoire plongeante à l'approche du dernier virage. C'est normal qu'on touche à chaque fois avoir cette trajectoire plongeante. Mais aucune gravité de toute façon. Voilà, la touchette, messieurs, je suis navré pour cette course. Mais ça fait partie. Ça fait partie de cette course, on n'y peut rien. Tant qu'on ne sort pas l'autre pilote totalement de la piste, je pars du principe qu'on l'a fait de notre mieux, honnêtement. Parce qu'on n'est pas des génies, surtout quand on ne se connaît pas. Et voilà, c'est très difficile de ne pas se toucher sur ce circuit. Tsukuba, 15e position toujours, et vous voyez qu'on est bloqué. Hein. On est bloqué complètement derrière ces deux pilotes. On tente rien du tout à l'approche de ce virage, on est trop loin. Derrière, c'est revenu, hein, le pilote autrichien qui est revenu. Vous voyez à quel point on perd du temps face à ce qui se passe devant et derrière. Donc là, ça devient critique. Juste pour notre survie par rapport au pilote autrichien, de dépasser... ce pilote britannique a failli sortir ici de la piste. Mais je ne vois pas de solution. Je suis complètement bloqué derrière. Je ne vois absolument aucune solution. Mais je tente. Je garde espoir. Je garde cette volonté toujours d'aller chercher la P11 alors qu'il ne reste plus que 4 tours. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment ça dans la tête. Dernier virage. Et voilà. Dernier virage de nouveau et on recommence, on recommence, on recommence. Là on est pas mal face au pilote britannique, on est toujours un petit peu loin mais bon.
la course est bloquée, quoi. La course est bloquée et c'est pas forcément très intéressant, quoi. La course est complètement bloquée. Je vous avoue qu'au niveau du fair play sur cette course-là, c'est pas la pire. J'ai pas voulu vous présenter l'autre course parce que c'était une catastrophe au niveau du fair play. On va se présenter ici à l'intérieur. On tente, hein. Il nous bloque de nouveau le passage, mais on profite pour s'introduire ici à l'intérieur et on passe. Voilà, de nouveau un dépassement qui est propre, mais qui au final, bon, il y a quand même la petite touchette. Donc on peut considérer qu'il ne l'est pas. Mais pour moi, par rapport à Tsukuba, c'est vraiment un dépassement propre. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ça, surtout qu'il revient un petit peu sur la trajectoire aussi. Bon, il faut voir que parfois, il faut quand même laisser la place. Mais voilà, que vaut cette FIA, pas grand chose, hein. C'est comme la Nation de la dernière fois, c'est pour ça que je mets mon petit coup de gueule aussi par rapport à cette vidéo. Je pense que bon, vous allez vous retrouver par rapport aussi, enfin le titre va vous rappeler ce qui vous est arrivé, je pense, pour la majorité durant ces Nations. Et puis bon, sur le papier, on savait que ça allait plus ou moins être ça. Le pilote belge qui s'y va se faire dépasser à l'intérieur par ma personne. Voilà, on est passé très très vite et regardez devant, ils sont juste là. À deux tours de l'arrivée, ils sont juste là, alors que ça tente pour le Belge de décroiser. On garde néanmoins notre position. On est toujours à deux de front, mais après, ce sera sur un gauche et on aura l'avantage. Mais voilà, pour moi, cette Nation, alors qu'ici, ça sort pour le pilote britannique. Ah, il va vouloir revenir sur la trage, comme si on n'était pas là, mais bon, on ne peut rien faire. Mais ce que je veux dire par rapport au fait que c'est une vaste blague, c'est par rapport à la proposition. C'est comme la Nation qu'on avait eue avec les GR1. À Blue Moon, voilà, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est vraiment pas terrible. Et je pense que, voilà, je le répète encore une fois, je pense que pour la majorité d'entre vous, je parle pour vous, je sais, donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire si la FIA, pardon, vous a beaucoup plu. Bien sûr, c'est important aussi de mettre du positif quand il y en a. Personnellement, c'était pas terrible. Sur le papier, je vois pas comment Polyphonie pouvait s'attendre à autre chose que voilà, des courses difficiles en termes de fair play. Le pilote français qui est à merci, à portée de notre Toyota McLaren, très belle livrée McLaren que j'ai attrapée dans le truc, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin pendant la découverte de livrée que j'aime beaucoup. Ici attention à la sortie de virage, on est un petit peu limite, on va tenter quand même de pourquoi pas aller chercher cette 11e place que je veux tant. Elle est juste là, la 11e place à portée totale de ma petite McLaren. Mais il faut aller chercher la position. On sait à quel point c'est difficile. On va s'infiltrer ici à l'intérieur de nouveau, hein. Il va sortir de la trage, rentrer sur la trage. De nouveau, on touche un petit peu. Mais bon, voilà, c'est Tsukuba. Il n'y a rien à faire. T'as beau vouloir éviter, il n'y a absolument rien à faire. C'est la touchette. Dernier virage ici, très important. Regardez derrière l'assassinat. L'assassinat du pilote britannique, pardon, derrière. Incroyable, je pense que vous l'avez vu au radar. Mais incroyable assassinat de la part du pilote britannique. Je pense que c'est voilà, une petite revanche de la part du pilote britannique. On profite pour avoir cette 11e position. L'Espagnol qui est pas si loin à deux tours de l'arrivée. Un tour et demi maintenant de l'arrivée. Aussi, ce qui est un petit peu malheureux, bon voilà. C'est une N3, alors c'est une N400 qui a été descendue en N300. Et au final, c'est une course fermée, une course bloquée, une course à la qualification comme d'habitude. Une course au non fair play, une course qui n'appelle pas au fair play, une course qui ne permet pas aux joueurs d'être 100% fair play. C'est typiquement ce que j'avais dit à Blue Moon, je ne peux pas en vouloir aux joueurs de ne pas être fair play sur un combo tel que celui-ci. C'est comme ça, c'est une décision qui a été prise. J'espère que pour GT7, on va revoir l'objectif des courses nations. Parce qu'une course comme celle-ci, ça va, c'est pas la pire. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. En tout cas, j'espère, messieurs, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à laisser vos avis en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao.